C'est Floflo, on se retrouve pour un nouveau let's play sur This War of Mine, The Little Ones. Mon accent anglais est pourri, je suis d'accord. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un jeu qui est sorti en novembre 2014, qui a été développé par 11 Byte Studio. Je sais pas si on va le dire en anglais ou en français. Et je sais pas, en plus je vais faire un let's play complet dessus, mais au moins une petite vidéo. On est parti pour ce nouveau let's play. Ah non mais... Voilà. C'est parti, donc c'est un jeu... Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de survie et il est disponible sur toutes les plateformes pour une dizaine d'euros, sachant que je l'ai eu gratos. Parce qu'il était gratuit sur le PS Plus. Et j'ai pas encore joué, donc je sais pas du tout si j'ai bien aimé ou pas. On verra ça. Alors, depuis combien de temps ce siège dure-t-il? Difficile à dire quand chaque jour est une lutte pour survivre. La cité grouille de tireurs d'élite et les bombardements ont lieu presque toutes les nuits. Les téléphones ne fonctionnent pas, il y a pénurie de nourriture et de médicaments et de nombreux habitants se retrouvent sans abri. Bruno et Marco ont toujours été bons amis, donc lorsque la guerre éclatait, ils ont décidé de rester ensemble. Ils ont rencontré Pavel en cherchant des provisions, autrefois star de l'équipe de football de Pogoren. Il n'est plus qu'une autre victime sans abri de la guerre. Ils ont donc décidé de faire équipe, espérant de meilleurs lendemains. On va déjà... Oh bah c'est le son. Effet canon. Effet crayon. Canon, bien sûr. Langue. Frantei. Échelle de température Celsius. Ala. Ça c'est très bien. Reprendre. Alors, je sais pas comment on joue, hein. Ok, donc y a pas de tuto. Déjà j'aime beaucoup le graphisme. Ok, donc là on monte. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors là il y a des portes. Je pourrais forcer la serrure si j'avais des... J'ai pas vu des outils. Ok, donc là on peut pas passer. Les décombres bloquent l'accès. Ça va prendre un moment de se frayer un chemin. C'est-à-dire on peut... changer de personnage. Ok, donc faire plusieurs tâches en même temps. Donc là on a Bruno qui est un bon cuisinier. On va en bas. AD, légère blessure. Ok, Pavel qui court vite, c'est tout. Et Marco qui est légèrement malade et qui est un collecteur expérimenté. Ok, donc malade, blessé, en bonne santé, tout va bien. La porte s'ouvre, on peut déployer ici pour accéder. Un truc, je sais pas comment ça s'appelle. Un placard, voilà. J'étais en galère pour trouver mon placard. C'est quoi ça? Atelier simple. Ok. Donc c'est vraiment un jeu pur survie. Donc peut-être je ferai peut-être pas un let's play dessus. Enfin un épisode parce que. Peut-être de temps en temps. Mais je vois pas en fait. Ok. Consommable. Combustible. Maintenant, filtre, combustible. Attention, j'ai pas les composants. Donc il faut récolter des matériaux, je suppose. Le cuisinier, lui, on va pas le faire collecter. Les matériaux, lui. Vas-y, monte. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Reviens parmi nous. Alors là, on a quoi? On a un frigo. Un salle principale, en fait. Un salle au milieu. Hop. Ferme cette porte. Ferme cette porte. Merci. Ça a été difficile. Mais non! Hop. Mais non! Il veut pas sortir, ça, d'ailleurs. Attendez. Sors, merci. Ok, donc on peut aller.
What? Il va où? Que tu peux sortir. Nos affaires, terminer la journée. Faire quelque chose à ce sujet. Nous n'avons qu'une seule chaise. Nous manquons de lit. Nous devons dormir par terre. Il est difficile de bien dormir sur des bétons. Sur du béton dur et froid. J'ai du mal, franchement j'ai du mal. L'état de ceux qui sont malades ou blessés pourrait empirer de façon radicale. Pas de cigarette non plus. Moins con. Ouais, d'accord. C'est un jeu étrange. Récolte tout ce qu'on peut récolter déjà. Non, je galère à passer l'escalier. Voilà, non. C'est quoi ça? Ah, objet de base. Ouais, prends tout. On va faire comme ça. Donc on a gagné de l'eau quand même. C'est un peu décomposant. Ah, ça peut être un jeu bien à faire en... Mais ne descends pas. On se passe la porte. Ça peut être un jeu bon en, en stream. Mais qu'est-ce qui... Ok. Il y a du mal. Hein. Moi j'ai du mal, t'es 3 personnes en même temps, franchement. Paf, prends tout, prends tout. Exploitons cette maison. Je pourrais offrir un chemin à travers ce top. Ah, vas-y, prends tout, il y a de l'eau propre. Ça fait plaisir de l'eau propre. Pour faire caca, évidemment. Ouais. Vas-y, grimpe. Hein? Il est 1h de PM. PM. What? Ah oui, on a les outils maintenant. PM, je crois que c'est après-midi. Voilà, vas-y, déblaye ça. Déblaye, mon gars, déblaye. Mais il ne reste pas assis à rien faire. Il y a tellement de choses à faire, tu sais. Non, non, non. Comment on fait pour descendre? Voulez-vous vraiment terminer la journée? Non, non, non. Comment ça va terminer la journée? Ah, enfin. À mon avis, on va se faire attaquer. Je saigne, mais juste un peu. Ça va, alors si tu saignes juste un peu. Une barrière, je peux. La démonter en une minute. Ah, fais plus vite un peu quand même, s'il te plaît. Paf! Voilà. Tout cassé. Donc en fait, c'est des squatters. Ils ont squatté, ils squattent cette maison. Parce qu'ils la connaissent pas, leur maison. Apparemment. J'aurais des diamants. J'aurais des diamants qui se battent comme ça dans. Pourquoi pas? Est-ce que tu peux déblayer avec? Non, je peux pas aider. Je vais laisser se démerder tout seul alors qu'il est malade. Vas-y, passe là-bas. Ouais. C'est quoi que j'ai gagné? Pièces électriques. Cool. Du bois, de l'eau, des pièces, composants, des bijoux. Des bijoux. Ah, des bijoux pour le troc. Donc, il y a d'autres gens survivants, c'est ça? Et on va devoir troquer. Alors, tac, descend. Descend. Ferme cette porte. Je suis en galère à mettre des touches. Attendez, descend. Pas descendre, c'est un délire. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi pas descendre? Tant pis. T'as pas fini. Continue, continue, continue. Hop. Oh, c'est verrouillé. Mais qui verrouille ces armoires, sérieux? Le mec est descendu tout seul. En bas. Oh, m'énerve. Descends, s'il te plaît. Il y a des touches que je connais pas, Marco. Marco est un pompier. Pour sauver des vies, plus de fois que je ne veux en compter. Oh, c'est écrit petit, j'ai du mal. Sauf qu'à l'époque, j'étais entouré d'une équipe soudée. Face à un ennemi commun, le feu. De nos jours, votre voisin peut vous tuer simplement parce que vos grands-parents parlaient une autre langue que lui. Donc on est dans la guerre 14-18. Ok. Ok. Bon écoute, fais comme ton copain, descends tout seul parce que moi je sais pas qu'on fait pour descendre. Non. Ah oui, c'est bien. Quelque chose pour ouvrir, ça fait rouiller, ok. N'entre pas alors.
Ouais. Je vois pas vraiment ce qu'il faut faire en fait. C'est pas. C'est verrouillé évidemment. Attendez, on peut monter par là. C'est un bon coureur. Pavel. C'est un peu. Je sais pas. Pavel. C'est américain ça, Pavel. Mais y a pas la guerre en Amérique. On s'en fout un peu en fait. Oh, une cabane dans les arbres. J'adore les cabanes dans les arbres. Alors, paf, 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 paf. Oh, c'est trop bien. Ah, j'ai gagné un truc pour crocheter une serrure, je crois. J'arrive vraiment pas à descendre les échelles. La nuit. Ok. La nuit. Ok. Notre refuge. Cottage bombardé. Maison mitoyenne. Je me souviens plus c'est lequel qui est bon en. Ah, oh, il est cracouté. Maison mitoyenne, cottage bombardé. On va envoyer qui? Attends, comment on fait? Si je fais carré. Ici, alors, ici, il y a beaucoup de nourriture, des quantités énormes de matériaux, des médicaments, des armes, ce qu'il nous faut, beaucoup de pièces. Ici, on a quoi? Du danger, qualité énorme, quantité énorme de pièces, quantité énorme d'armes, beaucoup de médicaments. Ah, même s'il y a du danger, on n'a pas d'armes. Que j'ai fait. Quantité énorme de matériaux, quelques armes, beaucoup de pièces. Ouais, on va aller là. C'est très bien là. Mais on fait comment pour. Moi, je veux pas t'envoyer toi. N'y va pas. Ah, oh, on peut pas changer. Ah, voilà. Donc, toi, tu vas dormir. Toi, tu vas. Ah non, c'est celui qui est pas malade. Mais lui a plus de sacs. Bon, tu vas chercher, tu vas monter la garde. Et toi, tu vas partir collecter. Objet de base. Après cuisson, ok. Diverses herbes permettant. Combien de temps? 12 minutes. Diverses herbes permettant de confectionner des médicaments de base à base de plantes et de cigarettes rouillées. Tiens, je me demande si je vais pas faire un épisode par jour. Tiens, prends les outils de crochetage, ça peut être toujours intéressant. Après tout, des clous, du ruban adhésif en toile. Ok. Bon bah écoute, je vais aller que avec ça. Écoute. Hop. Partir collecter. Et est-ce qu'on va jouer à la collecte ou pas du tout? On part faire la collecte. Ok. La maison est encore en feu. Peut-on entrer en toute sécurité? Ah, oh, c'était pas, c'est pas toi le pompier? Ah, c'était pas Pavel le pompier, je crois. Oh mon dieu. Bois, bois. Mais il prend tout d'un un seul truc. Ah si, Marco est pompier. Donc tu n'as pas peur, Marco. Ça on a déjà parce qu'on a déjà plus beaucoup de trucs. On a plus de place. Ok, on fait du bruit. Oh, la maison peut être habitée. Ok, je vais faire gaffe alors. Mais écrit sans. Il n'y avait pas de danger. On va quand même aller prudemment, mais normalement ça passe. Alors, avec de la bouffe, du sucre. J'ai plus de place. Ah, on peut jeter un peu de trucs. On va jeter du bois. Et ça. Parce que maintenant on en a quand même beaucoup. Voilà. Comme ça on peut prendre les légumes. Sucre. Shit, j'ai merdé. Sucre. Hop, on va prendre que. On prend les aliments. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris quoi? Je sais pas. Hop, on va prendre les aliments. J'ai en fait. De l'eau, ouais, bon, ça on peut venir revenir le chercher. J'aime en fait le décor là autour, un peu crayonné. Le bonhomme, il fait, le personnage fait réel quand même, pas zoomé, mais ça fait un peu réel. Et le décor fait
crayonné, enfin c'est vrai, j'aime beaucoup. Un lit. Prends le lit. C'est quoi? Médicaments, paf, on prend ça, c'est sûr. Ok. Ouais. Le truc c'est que... Ah voilà, j'aimerais descendre. J'ai du mal à monter et descendre les escaliers. Non pas que je sois vieux, hein. Du bois, on peut revenir plus tard si on sait qu'il y a du bois là. Hein. Sans pelle, ok, on reviendra avec une pelle. Oula, pourquoi on se peut souvenir de trucs et tout, je me souviendrai jamais. Non, on remonte, tac. Vas-y, va par là. Par contre, tu masses de bruit, ça se voit. Ça c'est quoi? Oh, nounours! Ce joueur a connu des jours meilleurs. Oh, on peut faire le voyeur. J'ai peur de forcer à serrer avec mes outils. Je peux forcer à serrer. Je voyeurise, y'a rien. Vas-y, force. Ceci est une zone d'opération antiterroriste. Cool. Les personnes qui resteront dans la ville seront considérées comme des partisans de terroristes. Pour votre propre sécurité, celle de votre famille, quittez Pogoren immédiatement. L'armée vous garantit un passage sans danger. Ils n'étaient pas nombreux à les croire après les atrocités qu'ils avaient commises. Écrit sur un prospectus. Des outils. Moi je pense qu'il y a plus de médicaments. Bon. Alors du café. Café. Tabac. Tabac. Ils voulaient du tabac les autres. Pièce d'arme. Hein, ça c'est utile. Très très utile. J'ai le hockey, punaise. Et on va prendre du tabac pour en faire plaisir. Paf. Pour leur remonter le moral, voilà. Même si fumer tue, on le sait. Faut pas fumer, fumer c'est mal. Apparemment ils aiment ça en temps de guerre. Je n'arrive pas à descendre. Ouh, bonjour. Point. La guerre n'est pas une cour de récréation. Les circonstances ont parfois vous forcer à combattre. Vous pouvez rencontrer des gens qui seront hostiles envers vous. N'oubliez pas que vous êtes sans défense. Cible suivante, j'ai oublié d'ici là. Je vais peut-être faire l'épisode 2 tout de suite après, le jour 2 plutôt. Parce que en mode collecte, combat. Collecte, combat, collecte. Donc j'en ai plus les touches. Descends s'il te plaît. Bon, bruit va sortir, vas-y, cours. Fais du bruit, on s'en fout. Marco est de retour. Ah, ok, jour 2. Donc on va se laisser là. La nuit a été calme. C'est un peu comme un loup-garou, vous savez. Personne n'est mort, la nuit a été calme. J'aurais pu envoyer plus de gens en fait, parce que je suis bête, parce que bref. J'ai mal les commandes. Ah, y'a les... Cool. Changer de personnage, basculer en mode... Mais en fait, changer de personnage, j'ai trouvé que touche tout seul. Comme un grand. Inventaire divers. Enfin, divers parce que c'est retour annulé. Action acceptée. Zoomer. Ah, on peut zoomer. Caméra, déplacement. Dézoomer. Changer d'action. Bref. Voulez-vous voir que toute progression soit là, ça part du... Oui, mais comment on fait pour sauvegarder, mec? Je veux bien. J'aurais dit on va quitter là parce que de toute façon ça a été le jour 2. Donc ça sauvegardait logiquement. J'ai pas vu s'il y avait l'icône. Bref, j'espère que... bon allez on quitte, pas grave. Paf. Je
pas du tout ça a marché. J'espère que cette petite vidéo, ce nouveau petit... Continuez, ouais, c'est bon. C'est quoi ça? Ok, touche. La crédit, on s'en fout. Paramètres. Écrire ma propre histoire. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Parce que de ce nouveau petit let's play, hein. Cette nouvelle petite vidéo. Dites-moi si vous connaissiez ou pas le jeu. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner des conseils. Parce que j'avoue qu'on nous laisse, qu'on nous lâche un peu comme ça dans la guerre. Et puis, dites-moi si vous aimez bien qu'on fasse des petits jeux comme ça, pas forcément connus. J'avais vu aussi un que je peux avoir gratuitement, Little Big Planet 3. Donc, je sais pas, à voir. Bref, bye bye tout le monde. Portez-vous bien.